الرحمن الرحيم. Donc on continue notre lecture. Aujourd'hui il va falloir patienter un peu parce que les passages qu'on va lire ils sont plus longs qu'hier et avant-hier. يقول الشيخ حفظه الله الرقى والرقات من جهة التطبيق. Donc il dit les ruqa, les incantations et ceux qui la pratiquent au niveau de l'application. يقول وإن حال الرقية والرقاة كحال بقية أبواب الدين والإيمان مما فارق فيه كثير من الناس الحق الذي جاء فيه الذي جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. Ceux qui la pratiquent, comme tous les autres domaines de la religion, c'est un domaine dans lequel beaucoup de gens se sont égarés de ce qui est dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la voie des compagnons du prophète radiallahu anhum. Donc ils se sont égarés du droit chemin et ils ont innové et ils se sont égarés de ce qui est venu dans la révélation jusqu'à ce qu'ils aient suivi leur passion, ils aient innové et ils n'ont pas suivi ce qui est dans la révélation et dans la voie des sahaba. بل إن الأمر في الرقى والرقاة ربما يزيد في ذلك على غيره من أبواب الدين والإيمان لما فيه من ألوان الفتن والمكاسب العاجلة وحظوظ النفس مع ما يكون فيه المرء من حال الضعف زمن المرض والبلاء مما يحمله على التعلق بكل ما يظنه أو يوصف له بأنه الشفاء ورفع البلاء وقد يكون فيه العطب والهلاك في الدنيا والآخرة. Peut-être même que le sujet de la ruqya et de ceux qui la pratiquent, c'est encore pire que les autres domaines de la religion, dans la façon dont les gens se sont égarés. Il dit parce que ce domaine contient plusieurs sortes différentes de fitan, c'est-à-dire de troubles et de tentations. Il contient le fait d'acquérir vite fait de l'argent. Il contient le fait que l'âme est satisfaite et l'âme a une part. On appelle ça hubud al-nafs. C'est-à-dire dans la ruqya, la personne va trouver des choses qui satisfassent son âme. Par exemple, l'orgueil, la réputation, etc. Et aussi le fait que le patient, le malade, il est dans un état de faiblesse au moment où il se présente. Et donc il est amené à s'accrocher à tout ce qu'il peut penser être une guérison. Et tout ce qu'il peut penser être quelque chose qui va écarter son épreuve, alors que ça peut au contraire comporter le malheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc en fait, ce que Shir dit ici, c'est que le sujet de la ruqya, comme les autres sujets de la religion, il est touché par l'égarement des gens, l'ignorance, l'innovation. Et peut-être même que ce sujet, il est pire que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il contient tout un tas de tentations et de troubles qui amènent justement les gens à s'égarer. Comme le fait que c'est un moyen d'acquérir des biens, d'acquérir la réputation, etc. Le fait de pouvoir profiter des gens parce qu'ils sont dans une situation de faiblesse quand ils viennent se présenter, et d'autres causes. والحق أن هذا الأمر على ما استقر عليه حال الرقاة اليوم من فتح عيادات ودور للرقية وتخصيص أوقات ومواعيد وساعات خاصة للرجال وأخرى للنساء واجتماع النساء في ساعتهن حتى تغص بهن الأماكن والدور وتزدحم جماعات المرضى والمتمارضين على تلك العيادات الأمر الذي حمل وأعان الرقاة على التفرغ والاحتراف والامتهان لهذا الأمر لما صاحبه من التكسب سواء بأخذ الأموال على مجرد القراءة أم بما كان بسبب بيع المياه والزيوت وعسل النحل وغيرها مما سبق لهم القراءة عليه فاستغنوا بذلك عن الوظائف والأعمال الأخرى. أقول إن هذا الواقع قد فتح أو كان سببا وبابا عظيما من أبواب الشر والفساد والفتنة التي أفسدت العقائد والأديان. Donc le cheikh dit, la situation de ceux qui pratiquent la ruqya et de la ruqya elle-même à notre époque, comme le fait que, donc là il a cité plein de choses, comme le fait que on ouvre des heures de visite et des endroits spécialement réservés à la ruqya avec des heures et des rendez-vous, des heures pour les hommes, des heures pour les femmes, le fait que les femmes elles viennent et elles soient toutes, hein, elles soient, l'endroit est trop petit pour elles, il y a une foule de femmes
à l'heure du rendez-vous des femmes. Et les malades ou ceux qui sont semblants ou qui croient être malades, ils sont en foule et ils sont tous serrés les uns contre les autres tellement il y a du monde. Tout ça, ça a aidé notamment ceux qui pratiquent la ruqya à se libérer des différentes professions qu'on peut pratiquer pour en faire une profession. C'est-à-dire ils ont fait, tout ça, ça a aidé à ce qu'ils en fassent leur profession et ils n'ont pas besoin des professions habituelles. Parce que par exemple, ils vont prendre de l'argent sur le simple fait de lire, ou alors ils vont en rajouter en vendant de l'eau ou des huiles ou du miel sur lequel ils ont lu auparavant. Et dit tout ça, tout ce waqa, c'est-à-dire tout ce que vivent les musulmans, toute cette réalité est une grande porte parmi les portes du mal, de la corruption et de la fitna qui a corrompu les croyances et la religion des gens. Et qui a corrompu également la vie des gens et leur vie d'ici-bas et leur corps et leur santé. Donc Shir dit, toute la situation, cette situation qu'on voit chez ceux qui pratiquent la ruqya, le fait qu'ils en fassent une profession et qu'ils se vouent complètement à cette activité comme une profession, comme un médecin, ils mettent des rendez-vous, des heures pour les hommes, des heures pour les femmes, et les patients qui viennent en foule à sa porte, etc., etc. Le fait qu'ils vendent ensuite des produits sur lesquels il a lu, ou alors soi-disant il a lu, tout ça, c'est une grande porte de fitna qui a été ouverte pour la religion et aussi pour les choses, les affaires mondaines des gens. وإن أعظم هذه الفتن والشرور تعلق المرضى والمحتاجين من العامة ممن لا يميز بين الحق والباطل ولا بين السني والبدعي ولا هم لهم إلا ما هم فيه من أوهام وأمراض بغير الله تعالى. Il dit, et la plus grande, ou parmi les plus grandes fitaines, c'est-à-dire les plus grands troubles et les plus grands maux qu'a causé cette réalité, c'est le fait que les ignorants parmi le commun des musulmans, qui ne distinguent pas entre la vérité et le faux, qui ne distinguent pas entre la sunna et la bid'a, se sont accrochés à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une des plus grandes catastrophes qu'a ramené cette façon de pratiquer. خَصَّةً فِي مَنْ يَكْثُرُ الزِّحَامُ عَلَيْهِ مِنَ الرُّقَاهِ مَا عَمَدْحِ النَّاسِ لَهُ وَانْتِفَاعِ بَعْضِهِمْ أَوْ حُصُولِ مَنْفَاعَةٍ لِلْبَعْضِ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمْ فَيَظُنُّ أَنَّهَا بِسَبَبِ الْقِرَاءَةِ والحقيقة أنها مما قدرها الله تعالى لهم في هذا الوقت مما أدى إلى الغلو في ذلك القارئ ولربما عاد الشر والفساد على القارئ نفسه. Donc il dit surtout ceux vers qui les gens s'affoulent parmi les ruqat, parmi ceux qui pratiquent la ruqya. Et les gens donc ils vont là-bas en foule parce qu'ils ont entendu que avec lui ça marche. Et des fois il arrive que il leur arrive un bien au moment où ils vont le visiter, mais c'est simplement un bien qu'Allah a destiné à ce moment-là. Il n'a pas de rapport avec ce raqi. Et eux, ils croient que c'est un rapport avec ce raqi. Et donc, ça va amener à l'exagération vis-à-vis de cette personne. وَلَرُبَّمَا عَادَ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ عَلَى الْقَارِئِ نَفْسِهِ إِذَا رَأَ ازْدِحَامَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَسَمِعَ عَنِ اتِّفَاعِ الْبَعْضِ بَعْدَ زِيَارَتِهِ لَهُ أَوْ بِمَا يَتَلَفَّظُ بِهِ بَعْضُ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ عَلَى لِسَانِ مَنْ بِهِ مَسٌّ أَوْ صَرَعَ فَيُعْلِنُ خَوْفَهُ وَفَزَعَهُ مِنْ هَذَا الْقَارِ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا. Ensuite, le mal, il peut également se retourner sur ce qari, sur ce raqi, pardon. Pourquoi? Parce qu'il va voir les gens qui s'affoulent vers lui, il va entendre que certaines personnes qu'il a soignées, ils ont guéri, ou alors parfois les djinns, par la bouche des humains, ils vont dire qu'ils ont peur de cette personne, donc ils vont un peu le monter. Et ils vont dire qu'ils ont peur de lui, qu'ils fuient de lui, et donc ça va être une fitna pour lui, pour son orgueil. Sachant qu'eux, ils peuvent dire ça réellement, ils peuvent aussi mentir. وَلَا رَيْبَ أَنَّ فِي هَذَا كُلِّهِ فَسَادًا لِلْقَلْبِ وَانْحِرَافًا عَنِ الْاِعْتِقَادِ الصَّحِيحِ وَسَبَبًا لِلْإِفْتِتَانِ وَحُصُولِ الْعُجْبِ فِي نَفْسِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ وَهَذَا بَابُ هَلَاكٍ وَفَسَادٍ. Et dit, il n'y a aucun doute que tout ça, ça va corrompre son cœur, et ça va le dévier de la bonne croyance. Et ça va être une cause pour qu'il soit tenté et pour qu'il soit imbu de lui-même. Et ça, c'est la perdition. Il dit, et la base dans la religion d'Allah, c'est de fermer la porte au mal. C'est-à-dire de toujours prendre des précautions et de repousser le mal.
Donc c'est pas seulement repousser mal en lui-même, mais même de fermer les portes qui pourraient amener un mal par la suite. Et ceci, le fait de repousser le mal, c'est en priorité, c'est prioritaire au fait de ramener un bien et ramener un bénéfice ou un avantage. C'est-à-dire repousser le mal dans l'islam, c'est plus important que essayer de faire du bien. Même si ce bien, il est assuré. C'est-à-dire même si ce bien, c'est quelque chose dont on sait pertinemment qu'il va arriver et qu'on peut le faire. Alors Cheikh dit, qu'en est-il quand c'est un bien qui est seulement possible, mazmoun, c'est-à-dire peut-être il sera fait. Alors là, c'est encore pire. Il faut encore plus mettre en priorité le fait de repousser le mal. وَلِلَّهِ دَرُّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَمَا قَالَ لِأَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا رَأَى جَمَاعَةً مِنْ أَتْبَاعِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ وَمَذَلَّةٌ لِلْتَابِعِ. Et il rapporte cette parole de Omar ibn al-Khattab quand il a vu Abu Dhar, qui avait des gens autour de lui qui le suivaient, et il lui a dit, ne sais-tu pas que ceci est une fitna pour celui qui est suivi, c'est-à-dire c'est une tentation, c'est un trouble pour celui qui est suivi, et c'est une humiliation pour celui qui le suit. وهنا والله نقول إنها فتنة للقارئ الراقي وفساد اعتقاد ومنافاة كمال التوحيد في المرقي. Et il dit donc, quant à notre situation, le cheikh dit, nous disons par Allah subhanahu wa ta'ala que c'est une fitna pour celui qui récite, pour celui qui pratique la ruqya, et c'est un manque de tawhid, et c'est-à-dire c'est une contradiction avec le tawhid et la croyance en ce qui concerne le patient. وَإِنَّ قِصَصَ السَّلَفِ فِي حُبِّ الْخُمُولِ وَالْهُرُوبِ مِنَ الشُّهْرَةِ وَالظُّهُورِ لَكَثِيرَةٌ وَلِلْعَاقِلِ عِبْرَةٌ فِي قِصَّةِ أُوَيْسِ الْقَرَنِ واختفائه وهروبه من الناس جميعا لما علموا بمكانته وإجابة دعوته. Il dit, les histoires des salafs, des anciens, sur le fait qu'ils aimaient fuir la célébrité, ils aimaient s'écarter des gens pour ne pas être connus, elles sont très nombreuses. Et par exemple, il y a l'histoire de Uwais al-Qarani, donc qui était un tabi'i, hein, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé la venue, et il avait dit donc, demandez-lui d'invoquer Allah pour vous, car ses doigts, ses invocations sont exaucées. Et Uwais al-Qarni, lorsqu'il a su ça, il s'est, c'est-à-dire on n'a plus entendu parler de lui. Il s'est caché, il s'est isolé, il a vécu dans l'anonymat. Donc ça, c'est un exemple. وقلت في هذه إنها الأعظم لأنها تتعلق بالاعتقاد وأصول الدين الذي فساده فساد جميع الأعمال والعياذ بالله وحبوط جميع الطاعات إذا بلغ أمره إلى الشرك بالله. Et il dit, j'ai dit que cette fitna là, c'est la plus grande dans la pratique, comment les gens pratiquent la ruqya actuellement. Il dit, je dis que cette fitna c'est la plus grande parce qu'elle est en relation avec la croyance et les fondements de la religion, sachant que cela, si c'est corrompu, toutes les actions sont corrompues et toutes les actions sont annulées. ومن أعظم الفتن والشر والفساد دخول الراقي على النساء وإن كنا جماعة في غرفة فضلا عن الخلوة ولا يخفى أن ناقصات العقل والدين يأتين بزينتهن ثم يخاطبنا الراقي بما يأمن في إقناعه بمرضهن والاعتناء بهن أكثر من غيرهن ويتمايلن في القول والخطاب بغية حصول المأمول مع استحضار الأصل في النفس البشرية وتزيين الشياطين مع ما يصاحبه غالبا من قبل غالب الرقاة من وضع اليد والملامسة لجسد المرأة بغية بلوغ المنتهى في التأثير بزعمهم أو تحديد مكان الجن والضغط والتضييق عليه بهدف إخراجه منها. Il dit aussi, parmi les grandes fitnas, les grands troubles, les grands malheurs qu'a causé cette réalité, c'est le fait que ceux qui pratiquent la ruqya fréquentent les femmes et rentrent auprès des femmes. Et Cheikh dit, même si elles sont en groupe, le fait qu'ils soient avec elles dans une salle, même si elles sont en groupe, c'est une fitna. Et qu'en est-il s'ils s'isolent avec elles? Et il dit, il n'y a aucun doute que celles qui sont réduites dans leur raison et leur religion, c'est-à-dire les femmes, elles viennent avec leur parure. Et ensuite elles parlent au raqi, à celui qui pratique la ruqya, pour essayer de le convaincre qu'elles sont malades et pour essayer de le convaincre qu'il faut prendre soin d'elles plus que les autres. Et aussi dans leurs paroles, elles vont parler doucement, elles vont lui parler doucement, etc.
Tout ça pour essayer d'atteindre leur but. Sachant que il y a la nature humaine qui est là, et il y a également le shaitan qui est là. Ensuite il dit, en plus de ça, la plupart de ceux qui font la ruqya, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils posent la main sur la femme en disant que c'est pour avoir plus d'effet, ou alors pour déterminer où se trouve le djinn, ou alors pour lui faire pression pour qu'il sorte. Donc tout ça, c'est une fitna. Et entre parenthèses, c'est ce qu'on voit autour de nous. Si vous connaissez des gens qui font ruqya, demandez-leur tous les problèmes qu'ils ont avec les femmes. C'est que des problèmes. Parce qu'après, les femmes, elles les appellent. Hein, ou bien, soi-disant, c'est pour le djinn, mais en vérité, c'est pour se marier, ou pour avoir un rendez-vous, sachant que lui est déjà marié, etc., etc. C'est que des problèmes. Et ça, on l'a vu. Ça, c'est la réalité qu'il le dit. ولا يتردد عاقل مريد للخير والنجاة والسلامة في خطورة هذا الباب. Il dit, toute personne dotée d'intelligence qui veut le bien, qui veut être préservé, il ne doute pas sur la dangerosité de ce domaine. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. Sachant que le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, je n'ai pas laissé après moi une fitna plus nuisible pour les hommes que les femmes. قال أيضا عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Il a dit également, craignez les femmes, c'est-à-dire faites attention aux femmes et faites attention à la vie d'ici-bas, car la première fitna qui a touché les enfants d'Israël était les femmes. وأما في الخلوة فالأمر أشد فيقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. Et en ce qui concerne l'isolement, c'est encore pire, car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, je vous mets en garde contre le fait d'entrer chez les femmes, c'est-à-dire de se mélanger aux femmes. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adi mahram. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme ne s'isole pas avec une femme sauf en compagnie d'un mahram, c'est-à-dire d'un proche de cette femme avec qui elle n'a pas le droit de se marier. ومن أعظم الفتن والمفاسد ما تقرر عند العامة والدهماء أن ما استقر عليه أمر الرقى هو المشروع وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه أعني الدور والتفرغ وكيفية القراءة الجماعية للرجال فضلا عن النساء. Donc il dit également, parmi les grands mal, parmi les grands mots, pardon, les grandes fitaines qu'ont causé tout ça, c'est le fait que l'amma, le commun des musulmans, pense que ce que pratiquent les ruqat, c'est ça la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le prennent comme quelque chose de la religion. Shirdi, c'est-à-dire par exemple le fait qu'ils ouvrent des centres exprès pour ça, et les façons dont ils lisent, notamment la lecture en groupe, le fait qu'ils vont lire sur tout un groupe de personnes, pour les femmes, pour les hommes, ou encore pire pour les femmes. الأمر الذي رافقه هجر الناس للسنة في الرقية ومخالفة ما كان عليه الصدر الأول. Donc tout ça, ça a fait que les gens ont délaissé la vraie sunna, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le domaine de la ruqya et ce que pratiquaient les salafs. فَمَا أَحْدَثَ النَّاسُ شَيْئًا إِلَّا وَتُرِكَتْ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ فَهَا هُمُ الْعَمَّةُ مَا إِنْ يُصَابُ بِشَيْءٍ إِلَّا فَزَعُوا بَحْثًا عَنْ رَاقٍ لَهُ أَثَرٌ وَاضِحٌ وَعِيَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ لا هم يمارسون القراءة بأنفسهم على أنفسهم ولا يستعينون بأهل الصلاح والتقوى ممن لا عيادة لهم ولم يتفرغوا للرقية ولم يشتهروا بها. Donc il dit, à chaque fois que les gens vont délaisser une sunna, il y a quelque chose qui va venir à la place comme innovation. Donc là c'est le cas. Le fait que ceux qui pratiquent la ruqya, ils répandent ces pratiques qui n'ont pas de base dans l'islam, ça fait que les gens s'attachent à ces pratiques et croient que c'est ça la religion. Mais la vraie pratique, ils l'ont délaissée. Par exemple, le shir dit, les gens ils ne lisent plus sur eux-mêmes. Ils ne font pas l'effort de prendre le Coran et de réciter le Coran ou les afkars sur leur propre personne. Alors que la base, c'est d'essayer ça. Ou alors, ils ne se tournent pas vers les gens pieux. Dès qu'ils ont une maladie, dès qu'ils ont un problème, ils cherchent le raqi qui est connu, qui a des visites, etc., etc. Au lieu de se tourner d'abord vers quelqu'un de pieux, même s'il n'est pas connu pour la ruqya ou pour les visites. ثم إن في هذا الذي استقر عليه الأمر اليوم مخالفة لما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من العلماء وأهل الفضل في القرون الأولى ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
والخير كل الخير في اتباع من سلف. Il dit, ce que les gens pratiquent maintenant est en contradiction avec ce que pratiquaient les sahaba et ceux qui les ont suivis parmi les savants et les gens de mérite dans les premiers siècles. Et si tout ça, tout ce que les gens font maintenant, si c'était un bien, eh bien ces premiers musulmans nous auraient précédés dans ce bien et ils l'auraient fait avant nous. Et tout le bien est dans le fait de suivre ceux qui nous ont précédés. وفي الإحسان إلى خلق الله تعالى والسعي في نفع الناس وبذل النصيحة لهم بلا مقابل بل ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى مما يكون أحرى في حصول المأمول واستجابة الله تعالى لما فيه من إخلاص العمل لله لا طلبا لسمعة ولا شهرة ولا مال ولا كسب. Donc il dit tout le bien est dans le fait de suivre ceux qui nous ont précédés et dans le fait de faire du bien aux gens et de le faire sincèrement, pas pour gagner de l'argent ou pour avoir une réputation, mais simplement, sincèrement, pour espérer que la personne guérisse. Et ça, le fait que la personne le fasse sincèrement, parce qu'elle recherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus à même d'acquérir ce qu'on recherche, c'est-à-dire la guérison. وَمِنْ أَعْظَمِ الْفِتَنِ وَالْمَفَاسِدِ أَيْضًا أَنَّهَا فَتَحَتْ بَابًا لِلْمُشَعْوِذِينَ وَالدَّجَّالِينَ الذين يمارسون هذه المهنة بأنواع الدجل والشرك والاستعانة بالجن والشياطين. Parmi également les troubles et les maux qu'ont causé cette réalité, c'est qu'elle a ouvert une porte aux charlatans, qui vont utiliser toutes sortes de justement de charlatanisme ou de tromperie pour dévier les gens dans ce sujet, et ils vont céder par les djinns et les shayatin. Et ça on le voit, depuis que les gens ils connaissent le fait qu'il y en a un qui fait le ruqya, il y en a plein qui viennent, ils font le ruqya, mais quand tu observes la façon dont ils le font, comme par exemple un qui est très connu, alaykoum salam, et j'ai donc des gens ils m'ont raconté, ils l'ont expérimenté, donc ils rentrent dans la salle, donc ils voient la femme du frère qui est atteinte de quelque chose, et il lui fait, toi t'es atteinte de ça, 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 et tu t'appelles comme ça, ya subhanallah. Depuis quand le musulman il connaît des choses invisibles, si ce n'est s'il s'entraide avec les shayatins ou avec les djinns. Donc après lui, quand on lui dit ça, il s'excuse. Ouais, mais je m'aide avec des djinns musulmans. C'est comme si je m'aide pour déménager ou quoi que ce soit, je vais appeler des copains, des musulmans parmi les humains, ben là j'appelle des amis parmi les djinns. Alors que les fatawas des ulama, elles sont claires sur ce sujet. Al-Lajnat Da'ima, si vous allez dans leur site, ils ont plusieurs sujets, plusieurs questions sur ce sujet. Est-ce qu'on a le droit de céder par les djinns? Et ils ont dit que c'était du shirk, tout simplement. Il n'y a pas de oui, mais peut-être que c'est du shirk, un point c'est tout. Qui te dit que ces shayatin, ces djinns, sont des musulmans? Qui t'a dit que tu pouvais les croire? Qui t'a dit que tu pouvais parler avec eux? Qui t'a dit qu'ils ne sont pas là pour essayer petit à petit de te dévier vers le shirk? Et effectivement, cette personne, elle a commencé comme ça. Et après, des mois ou des années après, qu'est-ce qu'on entend? C'est que quand la personne, elle va le voir, il lui dit, tu prends du porc, tu la mets dans de l'aluminium, tu vas dans la tombe, dans un cimetière, il faut que tu l'enterres, etc. Ou avec un cadenas, ou je ne sais pas. Si ça, c'est pas du sihr, alors je ne sais pas ce que c'est. Donc au début, il a commencé soi-disant, non mais c'est des amis parmi les djinns, à la fin, il fait du shirk comme tout le monde, un poids c'est tout. Si ce n'est que, c'est sûr que son compte en banque, il doit être énorme. Mais auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il continue comme ça, il a tout perdu. Ou alors, par exemple, il y en a un aussi dans le nord de la France. Pourquoi? Parce que les gens, c'est de plus en plus ambigu. Comme ils savent que les gens, maintenant, ils font attention au fait que tu lises le Coran ou pas. Donc, il fait ruqya pendant une heure ou deux heures, il lit que le Coran. Si ce n'est qu'à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au patient, regarde-moi, ferme un œil et regarde dans mon œil. Et le patient, quand il fait ça, il le voit comme un shaitan. C'est-à-dire, ce raqi, le lecteur, le patient le voit comme un shaitan quand il regarde dans son œil. Et il voit comme un shaitan, il voit plein de choses effrayantes, etc., etc. Et, mais avant ça, il a récité une petite formule. On le voit, il récite quelque chose sur ses lèvres. Mais sinon, tout le reste de la ruqya, elle est shara'iyya. Allez, il n'y a pas de problème. Il récite le Coran du début jusqu'à la fin de la ruqya. Mais pendant 15 secondes, il a récité cette formule et il dit à la personne, regarde-moi dans mon œil. Ferme un œil et regarde-moi dans mon œil. Et quand on lui dit, quand le frère lui a dit, c'est quoi cette formule que tu récites? Il dit, c'est un secret, c'est quelque chose qu'on hérite
de père en fils. Khalas, quand on voit ça, c'est bon, c'est plus la peine. Eh bien, le fait de répandre cette affaire de ruqya, etc., et d'en faire ce qu'on en a fait aujourd'hui, ben, c'est ça qui a ouvert la porte à ce genre de personnes. إلى غير ذلك من أساليبهم وترهاتهم وخرافاتهم مما يزيد في صد الناس عن الحق واللجوء إلى الله تعالى والاطمئنان إليه والتعلق به سبحانه وتعالى. Donc en fait ici dans ce passage, Cheikh explique que parmi les troubles et les maux qu'ont causé cette pratique, c'est le fait d'avoir ouvert la porte à ces charlatans et à ces shayatines des êtres humains. كما فتح الباب لأصحاب النفوس المريضة ممن تستهويهم مخالطة النساء والاطلاع على العورات وممارسة الأهواء والشهوات وربما مقارفة الفواحش والرذائل والموبقات كل ذلك بحجة القراءة وطلب الشفاء. Il dit également, ça a ouvert la porte à ceux qui ont des âmes malades et qui aiment se mélanger aux femmes, voir la nudité des femmes ou des gens et pratiquer certains plaisirs, etc., etc., et peut-être même arriver jusqu'à al-fahisha, jusqu'aux turpitudes. Tout ça parce qu'au début, soi-disant, il voulait réciter et trouver la guérison pour la personne. وفتح الباب أيضا لطلاب الكسب الحرام والمحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فيضربون لهم الموعد تلو الموعد والجلسة تلو الجلسة بحجة أن الداء قد تمكن وأن العلاج والشفاء يحتاج إلى طول القراءة وكثرة الجلسات والتردد كل ذلك بغية الاستزادة في الكسب والعياذ بالله. Parmi les mots également, c'est que ça a ouvert la porte à ceux qui sont assoiffés d'argent et ceux qui vont ruser avec les gens pour essayer de manger leurs biens sans aucun droit. Et donc tu vois qu'ils font rendez-vous après rendez-vous, visite après visite, en disant que la maladie elle est très profonde, elle est très ancrée chez la personne, donc ça va demander du temps, et que en vérité tout ça c'est pour manger l'argent. Comme par exemple un qui est connu maintenant, il met ses annonces sur internet, sur Dailymotion et tout ça, et quand tu vas chez lui, vous êtes peut-être 5, 6 à être soignés en même temps. Donc c'est un grand n'importe quoi, il y en a un dans un coin là-bas, il y en a un dans un coin là-bas, un dans un coin là-bas, et il te dit, et il te récite un peu. Après, il te dit, vas-y, toi, continue à réciter. Et il va réciter sur l'autre. Bah ouais, Inch'Allah. Si un médecin, il pouvait soigner tout le monde en même temps, il ne se priverait pas. Parce qu'au lieu de gagner 20 euros en une heure, il ferait, s'il faisait 5 patients, ça lui ferait 100 euros. Enfin, pas en une heure, mais on va dire en 10 minutes de visite. Donc lui, il a trouvé le système. Il prend plein de patients, donc c'est un grand n'importe quoi. Il a à peine compris ou calculé, entre guillemets, ce qu'ils lui ont dit sur leur mal. Et après, il lui dit, bah tu reviendras. Et donc, tu as payé 50 euros. Sur les 50 euros, c'est à moitié c'est lui qui a eu, à moitié c'est toi. L'arnaque totale. Allahu musta'an. Ou alors, par exemple, un autre raqi, qui a un frère, il lui tend 20 euros. Cette histoire, elle m'a marqué parce que dedans, il y a une leçon. Donc, je vais avec le frère chez ce lecteur et je lui dis sur la route, n'oublie pas, donne-lui quelque chose, enfin, donne-lui genre 20 euros. C'est normal, il va faire un effort pour toi, etc. Donc le frère, il dit, si tu m'avais pas dit, j'aurais même pas pensé. Donc à la fin, miskin, lui qui a des problèmes d'argent, etc., des problèmes de sorcellerie, il fait l'effort, il lui dit, tiens. Et l'autre, il lui répond, non, c'est 50. Voilà, voilà la porte que ça a ouvert. Imaginez-vous 50 euros pour une heure de ruqya. Donc à 5 ruqya par jour, ça fait 400 euros la journée. Pas la peine de faire d'école d'ingénieur ou d'école de médecine. On a trouvé le business. هذه هي أهم المفاسد التي تعاني منها المجتمعات وتعايش مرارتها. ولا أظن أن أحدا ينكر شيئا من ذلك. ففسادها وسوء آثارها عظيم وكثير. مع أن الواحدة منها تكفي في كشف وجه الشر والفساد فيها ومنها. Donc le cheikh dit, toutes ces mafasides, tous ces maux, toutes ces catastrophes qui ont découlé, toutes ces mauvaises conséquences, ça a corrompu, ça a touché les sociétés et la vie des gens. Et il dit, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui puisse renier ce qu'on est en train de dire. Il dit donc, le malheur causé et la corruption causée par tout ça, ça suffit pour montrer que c'est un mal. La conséquence de tout ça, tous ces maux qui en ont découlé,
ça suffit pour montrer que ce genre de pratique et cette habitude que les gens ont pris, c'est pas un bien. ثم يقول الشيخ بعد ذلك كل هذا وغيره كثير من تعلق الناس بما لا ينفعهم ولا يجديهم في أمراضهم مع صرفهم عما ينفعهم ويكون فيه صلاحهم وكذلك ما يورثه في العمة من تسلط الجن والشياطين على بني آدم وأن جل الأمراض منهم وبسببهم. Il dit également, il y a encore beaucoup d'autres choses, comme le fait que les gens se sont accrochés à ce qui ne leur sert à rien et qui ne leur est pas utile. Et ils se sont détournés de ce qui leur est vraiment utile et ce dans quoi il y a la vertu et le bien pour eux. Il dit en plus, ça a fait hériter chez les gens cette idée que toutes leurs maladies, elles viennent des shayatines. Et donc ça a fait que les shayatines ont pris le dessus sur les êtres humains. فمما يثير في نفوسهم الخوف من الجن ومن ثم الاستعانة والاستعادة بهم من سفهائهم دفعا لأذاهم. Donc il dit en fait, il explique ici dans cette partie que le fait que cette pratique également, ça a fait que les gens, ils pensent que ça y est, tous les maux qui les touchent, ça vient des shayatines. Donc à la fin, à quoi ça les amène? Ça les amène à grandir la situation, la place des shayatines et à avoir peur d'eux. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'eux-mêmes recherchent l'aide et la protection auprès des shayatines. Et ça, on le voit. Billah alaykoum, vous devez certainement connaître, tout le monde connaît au moins un ou deux frères qui font la ruqya, généralement. Si tu te mélanges avec lui pendant une semaine, t'entends parler de quoi? Du djinn et des sihr, du sihr des djinns, hein, du ayn, tu deviens un parano. Et on le voit, ça devient des paranoïaques. Son oreille, elle lui gratte. Ah, mon oreille me gratte, c'est un djinn qui est en train de me gratter. Sa femme, elle a pas mis assez de sel dans le plat. Ah, ma femme, ça y est, c'est les shayatines, ils se vengent. Son enfant, il est malade, au lieu d'aller chez le médecin, ah, c'est les shayatines. Tout devient les shayatines. Donc au final, on dirait que Dunia, elle a été faite pour les shayatines, pour qu'ils s'amusent avec les êtres humains. Alors que l'être humain, il sait que s'il a confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et il fait l'asbab, les shayatines, ils n'auront pas, inshallah, d'impact. Ou alors un impact minime. Mais eux, ils ont grossi l'impact des shayatines. Et quand tu leur grossis leur impact, effectivement, après, ils auront de l'emprise sur toi. Donc le shir dit par la suite, الأمر الذي يزيدهم سفها وطغيانا كما قال الله تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Donc ça a fait que les djinns, ils ont continué dans leurs bêtises et leurs transgressions. Comme Allah l'a dit dans la sourate Al-Djinn, à propos des êtres humains qui recherchaient protection au lieu de la rechercher auprès d'Allah, il la recherchait auprès des djinns. Donc le verset dit, et il se trouvait des hommes parmi les humains qui cherchaient protection auprès des hommes parmi les djinns, et ça n'a fait qu'augmenter leurs transgressions. Fazaduhum rahaqa. Ici, cette phrase, on peut l'interpréter de deux façons. Ils ont augmenté leur rahab. En fait, tu peux l'interpréter. Les djinns ont augmenté les hommes dans leur faiblesse, puisque quand les hommes se sont tournés vers les djinns, les hommes, ils ont été encore plus faibles et plus rabaissés. Ou alors, ce sont les hommes qui ont augmenté les djinns dans leur transgression, puisqu'ils se sont tournés vers eux, donc les djinns, ça les a confirmés et poussés encore plus dans ce qu'ils faisaient. Les deux, ils sont possibles dans le verset. وكذلك ما ينتج عن عدم الاكتفاء في حصول النفع ودفع الضر بكلام الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وضعف الاعتقاد والإيمان بالانتفاع بالوحي وبوعد الله وخبره في ذلك فيترك الأسباب الشرعية جريا وراء السراب الذي يظنه ماء أو منفعة وليس هو كذلك بل لا يجني من ذلك إلا الفساد في الدين والدنيا والآخرة. Il dit également, cela va faire que les gens, pour essayer d'avoir un bien et pour essayer d'être guéris, ils ne se suffisent plus de ce qui est dans la parole d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc leur foi et leur croyance en le bénéfice et le profit qu'il y a dans le Coran et les hadiths, il devient faible. Ils perdent confiance et ils perdent cet accrochement qu'ils avaient au texte religieux. Donc après, au lieu de prendre les moyens que la religion a légiféré, ils se tournent vers
un mirage qu'ils pensent être quelque chose de bien et quelque chose d'utile, mais en vérité qui est mauvais pour eux ici-bas et dans l'au-delà. Donc attention, tout ce qu'on dit là, et là je vous le dis parce que justement on en a une discussion avec Cheikh lui-même qui a écrit ce livre, ça ne veut pas dire qu'un frère il ne peut pas s'occuper de la ruqya. Et on a même demandé au Cheikh qu'en est-il du fait qu'il soit distingué parmi les gens, c'est-à-dire qu'il est connu pour ça. Cheikh l'a dit, il n'y a pas de mal. Donc on était à trois avec le Cheikh et il a dit il n'y a pas de mal à ça, parce que justement le frère qui lui posait la question, il faisait ça avant. Et Shir lui a dit, il n'y a pas de mal, continue, c'est bien, parce qu'il faut que des frères salafis le fassent. Comme ça, les gens ne se tournent pas vers les charlatans. Mais à condition que tu remplisses, tu respectes tous les points qu'il faut respecter. Et tu n'en fasses pas un métier, tu n'en fasses pas une occupation continuelle. Tu négliges pas ta vie de famille, tu négliges pas ta religion, etc. Shir dit, par exemple, dans la semaine, tu ouvres un jour, deux jours, où tu réponds aux demandes des gens. Par exemple, les gens ils t'ont appelé, et tu lui dis bah, tel jour, hein, par exemple le mardi après-midi, tu consacres ça pour la ruqya des gens. Tu n'ouvres pas un endroit exprès pour ça, tu n'imposes pas de salaire, tu n'en fais pas un métier, simplement c'est pour aider les gens. Et tu en profites pour leur dire par exemple qu'il ne faut pas mettre des images chez eux, pour leur rappeler le tawhid, pour leur rappeler qu'il ne faut pas que la femme elle doit mettre le hijab. Mouhim Shir il nous a dit tout ça c'est un moyen également de faire da'wah, et c'est bien si des frères ils peuvent le faire. Mais sans en faire une profession, sans en faire leur occupation continuelle. Mais justement, il est là le problème, c'est que malheureusement, ce qu'on observe, c'est que dès qu'un frère rentre dedans, il ne peut plus s'arrêter. Il ne peut plus s'arrêter, après sa vie, il est complètement débordé, et généralement sa vie, elle finit mal. Ça finit par des divorces, des problèmes, etc. etc. Pourquoi j'ai fait cette précision ? C'est pourquoi qu'on comprenne absolument que quelqu'un ne doit pas faire de l'opéra. Non, ça on l'a vu. Celui qui peut être utile à son frère, qu'il le fasse, même s'il le fait plus que les autres gens. Il n'y a pas de mal. Donc qu'on ne comprenne pas de ça que hein, quelqu'un ne doit pas du tout faire de l'opéra. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tout ce que Cheikh vient d'expliquer ici. Tous ces mots et toutes ces mauvaises habitudes qu'il y a, dans l'opéra, c'est ça qu'il faut éviter. Zikru ba'di bida'i wa muhdathati ruqat. Donc le Cheikh, à la fin, il a cité certaines innovations des ruqat. Donc là, je ne vais pas vous lire l'arabe parce que sinon on ne va pas finir. Je vais essayer de survoler un peu le livre et de vous dire à peu près dans chaque point ce qu'il a dit. Donc premièrement, parmi les innovations des ruqat que le Cheikh a cité ici, c'est le fait de trop s'élargir et trop se diversifier dans les rendez-vous, etc. etc. À tel point que la personne elle donne des rendez-vous, elle donne des tickets d'entrée, elle donne des prix fixes, etc., etc. Il faut par exemple que tu viennes autant de rendez-vous, trois rendez-vous, pour le soin il va durer, comment on appelle, pas le soin, mais le traitement va durer autant de temps, avec tant de visites, et le médicament il faut que tu l'utilises de telle façon, à tel moment, dans telle situation, etc., etc. Et après il lui donne par exemple de l'eau, du miel, tout des choses, des herbes, des huiles d'une façon très précise, en délimitant à quelle heure il doit le prendre, etc. Ou alors il donne des programmes sur la lecture, etc. selon les maladies, tout ça, il dit ça rentre dans les innovations. Ensuite il dit le fait aussi de lire Al-Qira Al-Jama'iyya ou Al-Ruqya Al-Jama'iyya, c'est-à-dire une personne elle réunit des dizaines, peut-être même des centaines de personnes et elle lit sur elle en même temps. Et Shir dit, il y en a même, parce qu'ils ne savent pas bien lire le Coran, ils mettent une cassette. Donc là, carrément, ils ne se cassent plus la tête, quoi. Et ils disent, parce que le fait que la récitation elle soit belle, ça joue dans l'effet que ça a sur les malades. Ensuite, il dit, Shir aussi, il y en a qui délimitent, par exemple, là où le djinn va sortir de la personne. Et selon, s'il sort de tel endroit, qu'est-ce qui va en découler ? Donc ils disent par exemple, s'il sort de l'œil, il va être aveugle. S'il sort de l'oreille, il va devenir sourd. Et après, Cheikh, il dit, tu les vois, ils disent au djinn, vas-y, sors par son pied. Ben, il dit, ben, alors pourquoi il ne devient pas boiteux à ce moment-là ? Si on en suit votre raisonnement. Si quand il sort par l'œil, il devient aveugle. Quand il sort par l'oreille, il devient sourd. Pourquoi quand il sort par le pied, il ne deviendrait pas paralysé ou boiteux ? Donc tout ça, c'est, en gros, c'est du n'importe quoi. Ensuite, il dit, il y en a également qui vont utiliser des
des produits chimiques ou des acides qui brûlent, des acides très forts que lui-même il voudrait pas pour lui-même, ou des mélanges comme certaines huiles, certaines graines, certaines plantes, etc. Ou alors encore pire, il va utiliser par exemple des dents d'animaux ou des peaux, ou alors des animaux empaillés, etc., etc. Et ils disent tout ça, ça rejette les shayatines. Hein, si tu mets ça dans la maison, si tu mets telle chose, ça va aider à rejeter les shayatines. Également, ce que le Cheikh a cité parmi les innovations, c'est le fait de trop que les gens élargissent trop, vont trop loin dans le dialogue avec les djinns. Donc il dit, tu vois qu'ils vont jusqu'à demander sur des choses de l'invisible, et ils veulent des choses un peu entre guillemets croustillantes, l'atraf. Ils aiment entendre des choses un peu croustillantes. Ou alors ils leur demandent des choses sur eux-mêmes, etc., etc. Et comment ils font pour toucher l'être humain, comment ils font pour sortir. Après tu vois, ils commencent à le menacer. Ils menacent le djinn et ils prennent des pactes. Il prend un pacte avec lui, je prends le pacte avec toi que tu ne reviennes pas, etc. Et ils appellent ça Ahdou al-Nabi Sulaiman. C'est le pacte de Sulaiman, etc., etc. Et ça, effectivement, c'est vrai. Celui qui a connu quelqu'un qui fait le ruqya et qui va, il va avec lui, comment ça commence? Il lit le Coran. Dès que le djinn il parle, comment tu t'appelles? D'où tu viens? T'as quel âge? C'est quoi ta religion? Alors l'autre il dit, j'ai 157 ans, je suis un juif, je viens du triangle des Bermudes, je m'appelle Abracadabra, etc., etc. Et l'autre, et tu le vois, le raqi est là, oh, mashallah, super. Alors que si ça se trouve, c'est pas du tout son âge, ni sa religion, ni rien du tout. Tout ça, c'est quoi l'intérêt? Ou alors il cherche, c'est qui l'a ensorcelé? C'est sa tante Fatima. Ah, Fatima, ta tante. Subhanallah, tu lui diras qu'elle craigne Allah. Alors que le djinn il ment, il peut mentir. Et tous ces dialogues qui ne servent à rien du tout. Mais l'âme humaine, elle aime ça. Comme c'est un monde invisible, comme j'ai dit, c'est croustillant. C'est sûr que les premières fois que la personne elle assiste à une ruqya ou elle en fait elle-même, c'est tentant de dire au djinn, alors vous êtes comment, ça se passe comment chez vous, etc. Comment t'as fait pour rentrer? T'es rentré par son œil, par sa narine? Ça se passe comment avec le sorcier, etc.? C'est tentant. Mais est-ce que les sahaba, est-ce qu'ils demandaient ça aux djinns? Est-ce qu'ils parlaient avec les djinns? Est-ce qu'ils ont cherché à connaître le monde des djinns? Est-ce qu'ils ont cherché, comme on lit dans certains livres, oui, le roi des djinns, c'est un roi de tel royaume avec autant de sujets, blablabla, tout des khurafats, des légendes, des contes de fées. Est-ce qu'elles te servent à quelque chose? Est-ce qu'elles servent à soigner le patient? Et est-ce qu'elles te servent à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc tout ça, c'est soit c'est de la poudre aux yeux des charlatans, ou soit c'est du temps perdu et un manque de compréhension de la part d'un raqi. Également le cheikh dit le fait que certaines personnes elles soient connues par des noms et des surnoms qui vont amener les gens vers eux. Par exemple Taridul Jann, hein, celui qui repousse les djinns. Par exemple, le raqi va se donner ce nom, ou il va se faire connaître par ce nom. Lui c'est le tueur de djinns, lui c'est la menace des djinns. Ou alors Malik al-Ruqat, comme Cheikh dit ici, le roi des Ruqat, le roi de ceux qui font la ruqya. Ou alors Qahir al-Shayatin, celui qui domine, hein, celui qui maltraite les shayatin, etc. Tout ça rentre dans les innovations. Il dit ensuite, il y en a aussi qui s'assoient avec les femmes jusqu'à tard dans la nuit, et il essaye soi-disant de trouver où est-ce que le djinn il est. Donc il va la toucher, il va toucher sa tête, il va avec sa main, il va bouger sa main, etc. Ou alors il va lui dire, vas-y, mets ton regard dans mon œil, comme j'ai cité tout à l'heure sur une personne qui est à Dunkerque. Il dit à la personne, vas-y, mets-toi en face de moi, ferme un œil et regarde-moi. Ça c'est une personne qui est à Dunkerque. Si vous tombez dessus, il faut partir en courant. Soit disant que ça fait peur au djinn, ça va influer sur le djinn. Ou alors il appuie sur son ventre, il appuie sur la poitrine de la femme, et peut-être même sur ses parties intimes, en disant oui mais c'est pour serrer le djinn, etc., etc. Et deux fois il va lui demander de découvrir certaines parties de sa nudité. Ensuite qu'est-ce qu'il ramène également ici?
il dit tout ça sur des choses qui peuvent amener à la fitna. Et ce sont les introductions, les muqaddimat, les introductions du péché et de la fitna. Et Cheikh à la fin, il dit également, il dit peut-être que même ils le font devant les hommes de la famille de cette femme et ça ne les fait même pas réagir. Leur jalousie, elle est partie. Il dit ensuite, il y en a également, qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils essayent de rajouter encore de l'illusion au patient et lui faire encore plus imaginer qu'il est malade en lui faisant tomber dans les pommes. Par exemple, ils vont l'étrangler ou alors ils vont serrer certains passages du sang pour qu'il perde connaissance. Et là, quand il va perdre connaissance, ça y est, les gens disent « Ah, c'est le djinn, ça y est, il est là. » Et lui, quand il se réveille, il dit bah, « je sais pas ce qui s'est passé, etc. » Donc, en faisant ça, il fait croire que ça y est, bah, ma ruqya est efficace, etc., etc. Ensuite, Chir, il dit, donc ils ont plusieurs façons également, qui vont rajouter du wes-wes à ceux qui, en ont déjà, et de l'illusion à ceux qui se font déjà de l'illusion. Ensuite, il y a également le fait d'informer sur des choses invisibles, ou alors de prétendre des choses inhabituelles ou des sortes de miracles. Donc ils disent par exemple, moi je brûle le djinn, ou alors je le fais évanouir, ou alors je le tue. Hein, comme les vidéos sur internet où tu vois il fait ça, et puis tu vois le djinn soi-disant il s'est fait égorger, etc. Ou alors je vais renvoyer le sihr contre le sorcier, ou alors je vais séparer le djinn de sa famille et de sa tribu, ou alors je vais le faire exiler, ou alors t'en as par exemple, ils utilisent des aiguilles et ils les enfoncent dans le patient pour soi-disant pour faire mal au djinn dans ses phalanges ou alors dans ses orteils, etc., etc. Ou alors il fait sortir du sang et il dit oui, c'est une preuve que j'ai tué le djinn, etc., etc. Ensuite, il dit, il y en a également qui utilisent les coups. Et ils vont trop loin là-dedans. Donc, ils vont frapper même la femme, même dans des endroits de sa nudité et des endroits qui sont un objet de fitna chez elle. Et il dit, et tout ça, généralement, en vérité, c'est pour satisfaire son désir. Il va faire exprès, mais en vérité, ça sera pour la toucher, etc., pour satisfaire son désir. Et il dit, il y en a carrément, ils utilisent l'électricité. Et même il va demander à la femme de découvrir certaines parties de sa nudité. Donc par exemple, on imagine, et elle va découvrir son bras pour l'attacher et après pour lui mettre du courant. Et ils disent parce que ça va tuer, ça va le brûler, etc., etc. Ensuite, le shikh dit « Hada raydun min fay ». Ça, c'est juste une infime partie de ce qui existe. Tout ça, ça rentre dans les mukhalafat, donc les erreurs et les innovations. Et bien sûr, la chose à mon avis qui a dû vous passer par l'esprit quand vous entendez tout ça, c'est que même des frères de Al-Sunnah wa Jama'a, ils pratiquent ces choses. Donc il faut leur dire, Akhiya, Wallahi Yahdik, si vraiment on est Al-Sunnah wa Jama'a, on croit que le Qur'an c'est un médicament, c'est un soin. Les hadiths, les ad'iya, c'est-à-dire les invocations qui sont dans les hadiths, ce sont un soin. Alors on prend le sabab tel qu'il est venu, on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait et inshallah ça sera efficace. Et vous observez parfois, une personne elle peut faire ruqya, donc il n'est pas connu pour ruqya, on l'appelle, il vient, il récite, et subhanallah sa récitation elle a de l'effet. Il n'a pas dit à la personne, mets un bandeau, hein, il n'a pas touché des endroits de son corps, il n'a pas parlé avec le djinn ni rien, et pourtant ça a de l'effet. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole du prophète, les hadiths qu'il nous a transmis, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sûr que c'est ça le plus efficace. Et justement, le fait de faire tout ça, chercher soi-disant le djinn, ou chercher son nom, parler avec lui, qu'est-ce que ça fait si ce n'est que ça fatigue le raqi ? Et combien j'assiste à des ruqya où le frère il se fatigue à essayer de comprendre où est-ce qu'il est le sihr ? Pourquoi il est là, etc. Et pendant tout ce temps qu'il s'est fatigué, il aurait eu le temps de lire Al-Baqarah par exemple. Et là, le djinn, réellement, il aurait souffert. Alors que pendant qu'il parle avec lui, bah, le djinn, il est bien content. Parce que pendant qu'il parle, il n'est pas en train de lire le Coran. Ou alors également, ça aussi c'est une erreur qu'on voit souvent, il s'embête à savoir combien il y a de djinn. Et il lui dit, vous êtes combien ? L'autre, il lui dit, comme j'ai déjà vu, on est 70. Je ne vais jamais en finir.
Voilà, c'est ça qu'il veut. Il te dit 70, comme ça tu dis 70, c'est bon, on va jamais y arriver, je rentre à la maison. Et le malade, mesquine, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai 70 djinns en moi, c'est sûr, je vais finir avec eux, ça c'est pas possible. Peut-être je vais en enlever 1, 2, 3, mais 70, c'est pas possible. Alors que ça peut être un seul, il change de voix. Une fois il dit je m'appelle Bernard, donc moi, je suis un djinn. Après il s'appelle Robert, après il s'appelle. Après c'est une femme, elle s'appelle Sandra, etc., etc. Et ça continue. Donc les djinns, c'est des comédiens, c'est des menteurs. Donc quel est le bénéfice, si ce n'est qu'il t'a fait perdre du temps sur la vraie ruqya, sur la lecture du Coran, sur la lecture des afkar, sur le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ruqya, en fait, de quoi on se rend compte? C'est qu'en vérité, c'est très simple. La ruqya, c'est très simple et tout musulman la détient. Tout musulman peut se faire ruqya. Tout musulman, quand sa sœur de sang, je veux dire, elle est malade, il peut lui faire. Quand son frère, si c'est une femme, il est malade, elle lui fait. Si c'est sa mère, etc. Il n'y a pas besoin de courir, il n'y a pas besoin de s'humilier comme les gens y font. Tu les vois, ils se fatiguent, ils s'humilient à toujours demander, à supplier, fais-moi ruqya, ou à demander des rendez-vous qui seront dans 6 mois, à dépenser de l'argent, alors que la clé, Allah Azza wa Jal lui a donné. C'est la taqwa, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran. Si vraiment il n'y arrive pas, il se tourne vers un frère en qui il a confiance, comme le cheikh disait, hein, c'est l'habitude des salafs, c'est qu'ils se tournaient vers des gens pieux. Pas la peine de chercher Foulaine le raqi, Foulaine qui demande 50 euros, etc., etc. Et pourquoi ces gens-là, on se tourne plus vers eux? Parce qu'ils nous ont mis de la poudre aux yeux avec toutes ces choses. Oui, en fait, j'ai parlé avec le djinn, c'est un djinn comme ci, c'est un djinn comme ça, c'est une femme, elle est amoureuse, c'est ta cousine qui l'a envoyé, c'est ta cousine qui veut l'enlever, etc., etc. Tout des paroles qui servent à rien du tout. Al-Khatima, donc Cheikh a fait ici une conclusion. On va lire une partie. يتقرر مما سبق ذكره ونقله وإجابة وإباحة وإجازة الرقى واستحبابها على حسب الحاجة إليها ووفق الضوابط الشرعية لاجتناب الوقوع في المحظورات والمنهيات من التعلق بغير الله عز وجل واعتقاد الانتفاع بغيره عز وجل مما هو طريق الشرك الذي هو أعظم ما عصي الله تعالى به. Il dit donc, par rapport à tout ce qui a précédé, on peut en déduire l'aspect licite de la ruqya et même recommandé selon le besoin, à condition qu'elle soit conforme aux conditions que la religion et aux points que la religion a dit de respecter pour ne pas tomber dans les choses interdites, comme le fait de s'attacher à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de croire au bien chez autre qu'Allah, c'est-à-dire à ce que quelqu'un va te guérir autre qu'Allah azza wa jal, toutes ces choses qui sont un chemin vers le shirk. ومعلوم أن ما كان مباحا وجائزا وربما مستحبا فإن أخذ الأجرة عليه تابع لأصل الفعل فحكم أخذ الأجرة والتكسب فرع حكم الرقية والتداوي مع ضرورة اجتناب ما شاع اليوم من التفرغ والحرفنة فيه طلبا للكسب واشتهار عيادات متخصصة وازدحام الناس على أبوابها وغيرها مما فتح باب التعلق بالقراء دون المقروء والتكسب وأكل أموال الناس بالباطل. Il dit, et il est connu que ce qui est licite ou recommandé, le fait de prendre un salaire pour cette chose, ça dépend du fait qu'elle soit licite ou recommandée. Ce qui veut dire, le shirk, c'est que si c'est licite, donc on peut prendre un salaire pour ce qui est licite. À condition, comme on l'a déjà dit, c'est de ne pas en faire un métier et de ne pas se consacrer complètement à cette chose-là, comme c'est devenu, comme c'est connu maintenant chez les gens, et le fait de faire des visites spécialement et que les gens ils sont en foule devant la porte de la personne, etc., etc., toutes ces choses qui ont ouvert le fait que les gens s'accrochent à celui qui récite et non pas à ce qu'il récite. Donc le shir dit ici que la personne peut prendre une récompense pour la ruqya puisque la ruqya est licite, mais à condition de ne pas en faire un métier et de ne pas en faire son occupation complète. C'est ça qui est important, et de ne pas faire ce qu'on voit maintenant, les visites avec des heures, avec des rendez-vous, des tickets et la foule devant la maison de la personne, toutes ces choses qu'il faut que les gens ils se tournent vers lui et non pas vers le courant
et le hadith, et il croit que c'est lui qui est utile. علما بأن الأفضل والأولى عدم أخذ الأجرة على القراءة تحقيقا للإخلاص وتحريا لإجابة الدعاء وتحقيقا أيضا للنصح ونفع العباد ومن ثم الأجر والثواب من الله تعالى. Il dit également, il faut savoir que le mieux, c'est de ne pas prendre de récompense pour ta lecture. Donc ils disent pas obligé, mais c'est mieux. Le mieux, c'est de ne pas prendre de récompense pour ta lecture, pour bien concrétiser la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et espérer que tes doigts, tes invocations soient exaucées. Et également parce que c'est une sincérité et un service et une bienfaisance envers les créatures d'Allah et pour espérer la récompense d'Allah. Donc c'est sûr que la perfection et le mieux, c'est de ne pas prendre de salaire. وقال جماعة من مشايخنا. Par contre là, moi je fais une parenthèse sur ce sujet. C'est à l'inverse, par rapport au patient. C'est-à-dire là, on parle de celui qui récite. Mais aussi par rapport au patient, il faut quand même avoir un peu de pudeur. C'est-à-dire combien on connaît des frères, ils pratiquent de temps en temps, ils font une ruqya pour rendre service aux gens. Tu le vois, il fait des kilomètres, etc. Et puis il repart sans rien. C'est-à-dire que la personne, elle n'a même pas eu la pudeur de lui proposer, par exemple, au moins, ça c'est le minimum, c'est de lui payer son transport. Et la personne, elle ne rajoute pas un peu plus, par exemple. Donc ça, par exemple, ça c'est quand même un manque de adab. Man sana ilaykum ma'roufan fakafi'ou. Celui qui vous fait du bien, récompensez-le. Maintenant, comme on a dit, le mieux, lui, c'est qu'il refuse une récompense. Mais par exemple, les frais de route, ces choses-là, s'il vient à midi, c'est l'heure de manger, ça, c'est pas des récompenses, ça, c'est le minimum vital. Je veux dire, c'est le minimum qui doit venir à l'esprit d'un musulman. C'est que quand j'ai fait faire 200 km à quelqu'un pour venir chez moi, et que c'est moi qui ai besoin de lui, c'est que ces 200 km, je lui paye. C'est pas gratuit. Et lui, il avait pas que ça à faire. Et que si c'est l'heure de manger, il mange. Ça, c'est des choses, malheureusement, je sais pas si on l'a pris parce qu'on vit ici, mais qui se perdent chez les musulmans, alors que normalement, c'est des choses qui sont évidentes. On n'a même pas besoin de réfléchir là-dessus. وقال جماعة من مشايخنا بعدم جواز الأخذ إلا بعد حصول المعافاة والبرء من المرض وحصول الانتفاع وأما من أعطي بلا طلب ولا اشتراط فجائز له أن يأخذه. Ensuite le cheikh dit, il y a beaucoup de nos mashayikh, donc le cheikh parle de lui-même, c'est-à-dire de ses mashayikh, qui ont dit qu'il n'est pas permis de prendre une récompense si ce n'est après qu'on ait vérifié la guérison. Donc on prend une récompense que s'il y a une guérison. Et mais que celui qui prend sans avoir mis ça comme condition, il peut le prendre. Donc c'est-à-dire qu'il peut dire à la personne, si tu guéris, tu me donnes autant. Mais si la personne ne guérit pas, il ne prend rien. Par contre, si la personne lui donne d'elle-même, là il peut prendre. وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرْ رحمه الله فيها قوله وإذا كانت مباحة فجائز أخذ البدل عليها وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل. Donc là il cite une parole de Ibn Abd al-Barr رحمه الله dans التمهيد, l'explication de l'Muwatta. Il a dit à propos de la ruqya, si elle est licite, alors il est permis de prendre quelque chose en échange, mais à condition que le bénéfice de la ruqya soit avéré. Car ceux dont on ne profite pas de façon certaine, le fait de prendre de l'argent pour cela est batil, est vain, c'est-à-dire est interdit. Donc il dit là, Ibn Abd al-Barr, qu'il faut qu'on ait vérifié que la ruqya ait été efficace pour pouvoir prendre quelque chose. Ensuite, le shir, tout à la fin du livre, il a cité une fatwa du shir Salih al-Fawzan. Il a dit, وختاما سئل شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في محاضرة له عن فتح عيادات خاصة للقراءة فأجاب حفظه الله ونفعنا بعلمه. Donc là il dit que الشيخ صالح الفوزان حفظه الله, dans une de ses conférences, il a été questionné sur le fait d'ouvrir des visites spéciales pour la ruqya, etc. Donc il a répondu, هذا لا يجوز لأنه يفتح بابا للفتنة وبابا لاحتيال المحتالين. Il a dit ceci est interdit car ça ouvre une porte de fitna et une porte à ceux qui rusent.
وما كان هذا من عمل السلف أن يفتحوا دورا أو محلات للقراءة. Et il dit, il ne faisait pas partie des actes de la pratique des salafs d'ouvrir des endroits exprès pour la lecture. وإن التوسع في هذا يحدث شرا ويدخل فيه من لا يحسنه. Il dit, le fait de trop s'élargir dans ce sujet, il en découle du mal. Et des gens qui ne le pratiquent pas bien vont pouvoir pénétrer dans ce domaine. Et أن الناس يجرون وراء الطمع ويحبون جلب الناس إليهم ولو بعمل أشياء محرمة ومن يأمن الناس. Il a dit, car les gens courent derrière leurs espérances, leur avidité, et ils aiment ramener les gens autour d'eux, même si pour cela ils doivent faire des choses qui sont interdites. ومن يأمن الناس ولا يقال هذا رجل صالح لأن الإنسان يفتن والعياذ بالله ولو كان صالحا ففتح هذا الباب لا يجوز ويجب إغلاقه. Il dit, qui peut faire confiance aux gens? Et il dit, il ne faut pas dire, oui, mais celui-là, c'est un homme pieux. Car la personne peut être tentée, même si c'est un homme pieux. Donc le fait d'ouvrir la porte à ça est interdit, et il faut fermer cette porte. Cheikh, je vais conclure avec une histoire d'un cheikh que Cheikh Falah nous a raconté, hafizahullah. Simplement, je tairai le nom du cheikh, mais de toute façon, en France, il est inconnu. Personne ne le connaît en France. C'est un cheikh de Médine. Donc cheikh nous a raconté, en Arabie Saoudite, il y avait une histoire qui avait affolé tout le pays. Et les médias y venaient, etc. C'était l'histoire d'un village, pas très loin de Médine, où les maisons, elles brûlaient toutes seules. Donc par exemple, les gens, ils sont là, ils boivent le thé, il y a une maison qui brûle. Et après une autre, etc. Sans aucune cause. Donc l'État saoudien, ça a ameuté les médias, et tout le monde, ça parlait que de ça dans les médias. L'État saoudien, il a tout fait pour essayer de régler le problème. Et il est passé par toutes les causes. Donc ils ont ramené les scientifiques, ils ont ramené les pompiers, ils ont ramené des experts, toutes sortes d'experts. La police, ils ont tout ramené. Et à la fin, il y en a un parmi les gens qui étaient occupés par cette histoire qui a dit, on n'a pas essayé le mutawi'a. Mutawi'a, c'est comme si ici on disait ceux qui sont droits dans la religion, ceux qui sont connus pour être accrochés à la religion. Donc il y en a un qui a dit, bah, c'est simple, à Médine, la ville la plus proche, il y a une université de mutawi'a, avec que des gens qui sont dans la religion. Ils voulaient dire l'université islamique de Médine. Donc ils ont envoyé un petit groupe du village pour aller voir le directeur de la Jami'a. Et il leur a dit, on a quelqu'un, et il dit, je sais qui c'est que je vais vous envoyer. Donc c'est un cheikh qui était surnommé le petit Al-Albani, à l'époque où Cheikh Al-Albani était encore vivant. Et c'était un cheikh que Cheikh Al-Albani aimait énormément. Et il se visitait beaucoup. Et il est très, très strict sur la sunna. Il pratiquait tous les genres de sunan. Et il était très strict dans la pratique de la sunna. Et très fort dans le hadith. Et dans l'authentification des hadiths. Et c'était un cheikh. Et Cheikh Falah nous a même dit, j'ai étudié At-Tirmidhi avec lui. Et un autre livre que j'ai oublié. Peut-être Sunan Abi Daoud. Complet avec ce cheikh. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un vraiment de tourné vers l'enseignement. Vers le hadith, etc. Donc ils lui ont demandé. Et en plus, c'était un cheikh très pauvre. Il avait une maison très modeste et une vie très modeste. Donc ils l'ont appelé, ils lui ont dit, va voir ce qui se passe. On te donne quelques jours. Tu te mélanges avec eux et tu vois ce qui se passe. Donc lui, il est parti dans le village. Et il a commencé à réciter Al-Baqarah dans les maisons. C'est-à-dire qu'il tournait dans le village, il récitait Al-Baqarah. Et également, il récitait dans l'eau et il aspergeait les murs du village. Le premier jour, les incendies se sont calmés. Le deuxième jour, encore plus. Et au troisième jour, il n'y a plus eu d'incendie et il n'y a plus jamais eu d'incendie dans ce village. Quand il est rentré chez lui, les médias ils sont venus en masse. Voilà le cheikh qui a éteint ce problème. Et de là, tous les malades d'Arabie Saoudite ils venaient chez lui, à sa porte. Soigne-moi, soigne-moi, soigne-moi. Et il était débordé. Donc il a demandé conseil à Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah. Et Cheikh il lui a dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala et aide tes frères musulmans, mais organise-toi. Consacre une période de ton temps précise à l'entraide à l'aide des musulmans, de malades, et ne dépasse pas ça. De sorte à ce qu'il ne délaisse pas l'enseignement du hadith, etc., etc. Donc il a commencé comme ça. Donc il soignait les malades. Cheikh nous a dit après l'Asr. Après l'Asr jusqu'au Maghreb, c'était pour les malades. Donc ceux qui viennent et ils récitent. Tout simplement, ils récitent le Coran ou les Azkar. Après, comment ça a évolué? C'est qu'il y avait tellement de gens de toute l'Arabie Saoudite
Et même des grands commerçants, ils ont commencé à être concernés. Et ils ont dit, ben voilà, on va acheter un terrain. Donc ils ont acheté un terrain et ils en ont fait un endroit spécial pour la ruqya. Donc ça s'est élargi. Donc le shir, il venait aux heures et les patients en masse, ils venaient à cet endroit précis avec des rendez-vous, etc. Et les années sont passées, c'est devenu un grand riche, il a acquis énormément d'argent et il a complètement délaissé le hadith, l'enseignement, les élèves, etc., etc. Il n'est plus professeur ni rien du tout. Il fait que ça. Et jusqu'à maintenant, à Médine, il fait ça. Et Cheikh Ibn Baz, il lui a dit par la suite, il lui a dit, crains Allah, il dit, c'est pas ça qu'on attendait de toi. C'est pas ça qu'on t'a dit. Ce qu'il lui avait dit, c'était quoi? C'est un bien, c'est une bonne porte. La ruqya, c'est une bonne porte. Tu aides les gens par la permission d'Allah Azzawajal, les guérissent. Ça, c'est un bien. Mais tu t'organises. Tu en fais une partie de ton temps, sans innover, sans en rajouter, etc. Mais après, ils en ont rajouté, et à la fin, il est devenu complètement donc meftoun par cette chose. Et Cheikh, il lui a dit, je suis assis avec Cheikh Rabi', et Cheikh Rabi', il lui faisait la leçon. Il disait, regarde ce que tu es devenu, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a où le hadith, ils sont où les étudiants, etc., etc. Donc voilà, ça sera pour le sujet. De toute façon, celui qui veut, le livre, il est disponible pour relire réellement les paroles du Cheikh complètes. بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه